Bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Ben écoutez, moi ça va pas trop top encore, donc j'espère que ça va passer parce que ça commence à être lourd. Bon, mais là on se retrouve pour une ouverture de courrier concours et une ouverture aussi flipbook d'un échange que j'ai à faire. Donc je l'ai reçu bien avant. Normalement on a jusqu'à mi-février pour l'envoyer, mais elle me l'a déjà envoyé puisqu'en même temps elle participe à mon concours. Donc voilà. Donc j'ai reçu donc deux courriers dans la boîte aux lettres comme ceci, donc le flipbook et donc ce flipbook qui est sur le groupe des 26 scrap et c'était pour la Saint-Valentin. Voilà, donc déjà j'ai reçu un courrier de Patricia G et elle m'a mis l'adresse en fait sur un truc, c'est vraiment trop beau, j'adore. Elle m'a fait un genre de truc vintage là, truc. Et avec tes coins papillons, vraiment j'adore, ils sont super jolis. J'ai vraiment, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, je trouvais ça super beau. Alors, donc déjà, je vais te noter, tu es ma 63e participante. Et donc là, on arrive au bout de... C'est bientôt la fin, parce que nous sommes le 29. Donc il reste 3 jours. Donc vraiment là... touche à la fin de la participation au concours. Oh, c'est un truc de malade, tu m'as blindé. Alors déjà, il m'en faut pas beaucoup en ce moment, mais là, tu me mets des frissons. Franchement, ton enveloppe et tout, mais j'ai même pas envie de l'ouvrir. Tellement qu'elle est belle. C'est vraiment, en plus, c'est mon style, quoi, le truc vintage comme ça. Elle a fermé avec des petites pimpilles, papillons et une cage oiseau comme ça. Vraiment, elle est trop belle. J'adore. J'ai pas envie d'ouvrir quoi. Ou alors, je vais essayer de. Sinon, je peux pas. J'ai voulu le garder comme ça. Mince. C'est vraiment trop beau ce que t'as fait. J'adore. Donc elle a fait une enveloppe comme ça. Ta maman blindée en fait. Mais t'es une malade. Alors, attendez, je cherche la carte déjà. Ah mais c'est la carte. Waouh, la carte. Elle est toute en 3D, en mix média comme ça, c'est un truc de barjot. À l'intérieur, une pochette. Putain, mais t'as fait un truc de malade. Encore quelqu'un du sud de la France et le mot à l'intérieur, mais regardez quoi, c'est génial. Bah, bien sûr, elle me plaît ta carte. Donc, dedans, il y a une petite pochette, enfin derrière, donc qui est collée. Dans la pochette, il y a des petites choses en fait qu'on peut récupérer. Et elle m'a marqué, comment t'as fait ça? Scrap suite, c'est génial. Génial, t'as trouvé ça où? C'est super, mais c'est génial, j'hallucine. T'as trouvé ça où? Comment t'as fait pour faire un... Tu me diras en commentaire comment t'as fait? C'est génial. Sur le cul là. Le tag et tout. Franchement, c'est super. T'as fait un truc de fou. J'adore. La carte est trop belle. Mais je vous dis, je suis blindée là. Il y en a plein à la table. C'est franchement vraiment très très joli. J'adore. Ouais, j'ai pas de mots. Et alors voilà, elle m'a blindée. Elle m'a mis plein de choses dans l'enveloppe. Comment vous dire que voilà. J'ai même une Yankee Candle. Elles sont trop bonnes. J'en ai reçu à Noël aussi. Il faut que j'achète
le petit appareil pour les faire brûler. Parce que j'en ai pas. Il y en avait Action, mais je les aime pas, ils sont pas beaux, donc il faut que j'en achète un. Elle m'a fait un paperclip Betty Boop, comme ceci. Qui est vraiment très beau. Vraiment, j'adore, il est super joli. J'en ai un deuxième comme ça, pareil, qui est super joli aussi. Je sais pas si vous allez voir. Habillé en Mère Noël comme ça. Vraiment étui, j'adore. Et là, j'ai un petit sachet où j'ai plein de choses à l'intérieur. J'ai deux sachets où c'est blindé, quoi. Putain, mais le coût du Scrap Suite, énorme, sans déconner. Super, génial. C'est fou. Alors là, j'ai plein de petites découpes en fait. J'ai des brattes comme ça, mis sur du papier argenté. Ça fait super joli, j'adore. Ça rend bien en fait, comme ça. Et après, j'ai des découpes comme ça. Petit pingouin qui est trop chou. Un petit fond. J'ai Bambi. J'ai un cœur. J'ai des trucs comme ça, c'est top pour faire mes trucs vintage. Ils sont trop jolis, j'adore. Ça, c'est sympa aussi. Ça fait un genre de photo. Franchement, j'adore. Je te remercie beaucoup. Putain. Tu m'as gâté, Patricia. Et donc là, j'ai encore un sachet qui est plein de choses en fait. Et je sais pas quoi dire. Alors, est-ce que je vais arriver à ouvrir le sachet? Désolée pour le bruit. Alors, c'est toi qui les fais, c'est des petits savons en fait. Elle m'a envoyé des petits savons. Donc celui-là, il est au fruit de la passion. Ils sont trop bons. Ah non, c'est pas des savons, c'est des fondants parfumés à faire fondre dans un brûleur. Yankee Candle qui te fera penser aux nuits d'été. Cire de soja 100% sans CMR, entièrement naturel et non testé sur les animaux. Bisous. Ah ben génial. Alors, donc en fait, ça fait comme le Yankee Candle en fait. On les fait brûler. Donc j'ai celui-là qui est au fruit de la passion. Ils sont super bons. J'adore. J'en ai un à la pistache. Je sais pas où t'as eu ça, c'est génial. Faut vraiment que je m'achète le petit appareil. J'ai celui-là. Il doit être. Ça sent bon celui-là aussi. Et il me fait penser au. Vous savez, les chewing-gums. Quand on était petit, on avait des trucs en plastique de chewing-gum qu'on appuyait là et on mangeait comme ça là. Mais ça me fait penser à cette odeur-là en fait. Ça sent très bon. Franchement, ben, je suis super contente. Je te remercie beaucoup, Patricia. Fallait pas. Tu m'as super gâtée, j'adore tout ce que tu m'as envoyé. Et ta carte, vraiment, elle est super belle, j'adore. Vraiment, putain, j'ai jamais vu un truc comme ça, quoi. Super. Et l'enveloppe, tout, quoi, qui va avec. Vraiment très jolie. J'adore. Je te remercie énormément. Et bien sûr, bah, ta participation pour le concours est validée. Et tu es ma 63e participante. Et je te remercie encore beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, je vais ouvrir en fait l'enveloppe. Mais je pense que je vais mettre de côté le flipbook et faire la vidéo à part. Parce que ça n'a, ben, c'est pas la même chose que pour le concours. Donc là, je vais essayer de récupérer que les choses du concours. Et je ferai la vidéo après pour le flipbook. Alors, waouh. Elle est trop belle aussi, franchement.
simple, mais voilà quoi. Et en plus, elle a marqué Scrap Suite, quoi. Mais vraiment, les filles. Déjà, je te note pour le concours. Donc, tu es la 64e participante. Donc, c'est de la part d'Aurélien. Et franchement, trop, trop beau, quoi. Et apparemment, il y a, voilà, il y a quelque chose pour Elia à l'intérieur. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Et après, donc, j'ai mon flipbook que je vais ouvrir après dans une autre vidéo parce que ça ne fait pas partie de la même vidéo. Mais en tout cas, Aurélie, comment te dire que franchement, ta carte, pareil, est tue. Alors, ça va être vraiment deux différentes, là, aujourd'hui. Mais deux que j'adore. En plus, toutes les deux, vous m'avez fait un clin d'œil Scrap Suite. Et vraiment, c'est super joli. Puis à l'intérieur, elle a écrit, vous voyez, en argenté sur le papier noir. C'est classe, c'est... voilà, j'adore. Mais en tout cas, les filles, je vous remercie encore énormément pour votre participation au concours. Merci aussi pour Elia. Je vais le mettre de côté avec ses autres affaires. Et ben, je vous dis à tout de suite pour l'ouverture du flipbook. Et puis voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Et à plus tard, salut !